Eh bien, salut tout le monde, c'est Camille, on se retrouve avec Faucheur. Bonjour Camille, bonjour tout le monde. On se retrouve sur Civilization. Civilization qui est sorti le 21 octobre 2016. Il est développé par Firaxis, édité par 2K, et pour ce qui est de la version Mac, il est édité et développé par Aspire. Aspire. Aspires ou tu respires? C'est ça. Tu aspires. Et... Je Shakespeare aussi. Bon. Oh, tout le monde est Donc, présent. oui, j'ai eu un moment d'absence, excusez-moi. Il est jouable en multijoueur jusqu'à 12 personnes. Il est jouable aussi Alors, en il n'y a pas 12. solo. Et aussi, ce qu'il faut. Jusqu'à 12 personnes aussi. Enfin, jusqu'à 12 IA aussi, je 12 pense. IA, Ou voilà, voire plus, donc. je sais pas, j'ai pas testé. Ouais, peut-être en immense. Enfin, je sais pas, oui. Je crois que c'est 12. C'est 12, j'ai vu ça parce Ah que oui, bah un oui, peu ça 12, se puisque tient c'est plus. immense en fait. Et aussi, il faut le préciser parce que beaucoup ne le précisent pas. On peut jouer à plusieurs sur le même ordi. Ah oui, c'est Grâce vrai. à, grâce à un, grâce au fait est que bah, y a un truc tour par tour, mais on peut être plusieurs à jouer une faction. Et ça, c'est très très bien si jamais vous avez un seul ordi et plusieurs potes. Ça évite qu'il y en a un qui regarde l'autre pendant que les deux Ouais. autres ils sont là. Ah, tu c'est t'amuses joli. bien? Ouais. C'est bien, quoi. Ce qu'on peut noter, donc actuellement nous sommes en salle d'attente avant de lancer une petite partie où nous allons nous aventurer pendant quelques tours, c'est déjà que nous avons une tripotée de difficultés. On en a beaucoup. Actuellement on en a 8. 8 difficultés qui en fait augmentent très légèrement à chaque fois en fait. Donc ça permet de vraiment avoir un point d'équilibre parfait. Pour faire là, pour là, on va se mettre, on va dire, en normal. Je crois que Prince c'est normal. On va se mettre en basique. Mon petit faucheur, parle-nous du style Oui, mon graphique hein, petit. qu'ils vont voir juste après. Alors, le style graphique, c'est assez cartoon. C'est vachement joli, je trouve. Puis, je trouve que ça vieillira beaucoup moins que Civilization 5, qui, lui, a des graphismes Dépouillé Félicien de la photoréalistes. vie sous l'eau, Là, c'est jusqu'aux plutôt. grands Bah, là, comme animateurs. vous le voyez dans le Ouais. chargement, Et c'est alors, plutôt cartoonesque, un redescend peu pour comme faire ça. ses premiers pas debout, vous Et venez puis, d'où? bah voilà, je trouve C'est dans ce que c'est berceau tout que ce je sois bien. qui. Clairement, je trouve Voilà. ça bien. On l'a mis dans les points forts parce que. Ouais, c'est bien. Vous Enfin, laissez c'est. la Il grande vague du y en a que ça va bouddhisme plaire. dans Ça ce va plaire sillage, moins à d'autres dites-le comme il personnes. est, Enfin, je veux dire, chicane ça du va en plaire Japon. à Votre plus peuple de comprend personnes, je pense que n'importe ça va en quel déplaire. équilibre. Parce Et même que. les Ouais, c'est meilleurs sympa, gros c'est lisse. samouraïs Vous allez seront voir, aussi c'est. instruits que brillants. Mais franchement, c'est Plus aveu. fort, C'est chevaucher le bien. vent Voilà, divin, c'est très et bien vous même. atteindrez sans Il y a aussi peine le les lignes brouillard de guerre d'assaut. qui est vachement cool. C'est comme si, après que vos éclaireurs soient passés, ou bien des gens qui découvrent la carte, quoi, vous avez ce qui est dessiné en fait, enfin ce qu'il y a sur la carte, c'est dessiné sur votre brouillard de guerre. Donc en fait, ça rajoute un petit côté sympa, je trouve. C'est assez. Puis ça fait réaliste aussi, c'est vraiment joli, quoi. Je sais pas ce que t'en penses, Camille. Oui, c'est joli en fait, c'est vraiment comme si que bah, les personnes écrivaient sur une carte. Et qu'on vous donnait la carte et que vous faites ah d'accord, et en fait c'est vraiment très bien dessiné. Je reprécise avant qu'on parte directement dans le game que c'est un 4X. 4X, 4X, vas-y, définis-nous le mot 4X, Faucheur. Alors, Atterro 4X, surprise. hein? Alors, c'est exploration, extermination. Et puis après, je ne sais plus. Je connais plus. Exploitation. Exploitation, voilà. Et expansion. Donc nous Voilà, avons expansion. exploration, exploitation, expansion et extermination. Voilà. Et une interro surprise, t'aurais une mauvaise note. Attends, j'en Donc. avais quand même deux, quoi. Ah oui, t'en avais quand Deux, même deux. trois. Allez, allez, t'as la moyenne. Bah, oh Alors. yeah! Moi, je vais planter ma ville ici. Donc quand vous commencerez la partie, vous arriverez en principe à côté d'une rivière. Dis-moi si t'es à côté d'une rivière. Je suis à côté d'une En rivière. principe, c'est pour tout le monde. On est à chaque fois à côté d'une rivière. Hein. Pour toutes Bah, les de toute parties que façon, j'ai c'est faites. obligé puisque sinon vous avez un spawn vraiment défavorable. Et donc, du coup, bah, ce serait vraiment la merde, quoi. Ce serait Ouais, moi j'ai vraiment genre. juste. Je vais juste me Parce qu'en bouger un fait, petit peu. si vous ne vous mettez pas à côté d'une rivière, parce que c'était pas comme ça avant, Oui. vous aurez plus On aura plus de d'habitation. nourriture. Voilà. Et puis, je crois que tu as plus de nourriture, non? En fait, si tu veux. Alors. Ce qui est bien à côté d'une rivière, c'est que tu peux construire un moulin à eau. Donc fonder une Ouais. ville, Kyoto vient d'être fondée. Tu as plus d'habitation. Pour ce qui est de la nourriture, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr de D'accord. ça. En tout cas, on peut fabriquer un moulin à eau.
Donc, quand vous aurez fondé votre ville, votre première ville, donc essayez de trouver un endroit plus stratégique, avec de la forêt, des collines, enfin tout ce que vous pourrez trouver, évitez le désert et la toundra et la glace, vous devrez alors choisir entre plusieurs technologies, donc 5 technologies au début, et après vous allez devoir en fait avancer dans les âges, hein, ceux qui ont déjà joué à une civilisation connaîtront, ceux qui le Voilà. découvrent, c'est qu'en fait notre civilisation va devoir Savent. décoller, aller loin, aller loin, aller loin. Jusqu'à l'ère de l'information. Ouais. Enfin, oui, je crois que ça s'appelle comme ça Oui, aussi. l'ère de l'information. Attends, je déroule, je vais dire ça. Oui, l'ère de Parce que, enfin, moi l'information. j'appelle ça comme ça parce que dans un vieux jeu de stratégie, ça s'appelait comme ça, je crois. Oui, je vois un peu de quel jeu tu parles. Et en gros, c'est là où vous débloquez les avions de chasse, les avions de réaction, hein, les avions de réaction, les blindés, les satellites, la fusion nucléaire, enfin tout ce qui est possible et imaginable, les bombes H, les bombes Z, les bombes W, les bombes. Les bombardières réaction, Voilà, enfin etc., tout. etc. Et puis en gros, les trois dernières technologies avant la technologie du futur, c'est pour faire la victoire technologique, la victoire Victoire, ouais. scientifique, je veux dire. Victoire scientifique. Vous Donc, allez devoir coloniser Mars en gros. on va en profiter pour jongler. Tiens, ça fait une belle transition. Transition! Oh, je jongle. Une belle transition sur les victoires. Alors, les victoires qui sont au nombre de 5. 5. Oui, Alors, je qu'est-ce que nous pense. avons? Nous avons la victoire scientifique. Donc, comme nous l'avons dit, je vais la décrire rapidement. La victoire scientifique qui est en 3 étapes, mettre un satellite en orbite, envoyer un homme sur la Lune et établir une colonie martienne. Dès que vous aurez fait ça, vous avez gagné. Voilà, Bon, ils ont c'est fait un juste. gros raccourci quand même, hein, parce qu'entre envoyer quelqu'un sur la Lune et coloniser Mars, En fait, si tu veux, non. quand tu vas envoyer un homme sur la Lune, après, il va falloir envoyer trois modules dans l'espace qui, après, ces trois modules partiront vers Mars, en fait. Tu auras le module d'habitation, le module. Réacteur et le module, je sais plus, le module de survie, je crois. Et re, donc comme je disais, petit souci technique, on avait parlé de la victoire scientifique, maintenant Faucheur, parle-nous de la victoire culturelle. Eh bien, la victoire culturelle, qu'est-ce que c'est? Il faut avoir plus de touristes étrangers que de touristes internes de chaque civilisation. Donc, imaginons que Kamishiro aurait 140 touristes internes. Il faudrait que j'ai 141 touristes externes pour le battre. Et en fait, il faut faire ça pour chaque faction. Mais généralement, il y a une faction qui a beaucoup de touristes. Et puis, les autres factions auront quelques touristes en moins. Mais donc, du coup, ce sera plus facile. De battre toutes les autres factions. Après, il n'y en aura qu'une qu'il faudra battre pour avoir des touristes internes de sa civilisation. Voilà, donc notons que pour gagner, pour accumuler des touristes, donc il y aura les merveilles qu'on parlera après. Vous pourrez avoir des statues, des écrits, des chansons. Grâce au personnage illustre. Et puis Voilà. aussi, c'est la culture que vous gagnez par tour. Influence aussi le nombre de touristes qui viennent vers chez vous. Voilà, donc elle est très très compliquée à faire. Elle est très compliquée quand même à C'est la plus gagner. compliquée. Voilà, C'est la plus c'est compliquée. la plus compliquée. Donc, je vais enchaîner avec la troisième victoire qui est la victoire militaire. Alors, la victoire militaire, qu'est-ce que c'est? Eh bah, c'est de défoncer tout le temps. Tout le monde, voilà. De défoncer tout Il le faut prendre monde. la capitale Je de crois que toutes c'est les civilisations. 75% des civilisations ou 80, je sais plus. Je crois que vous pouvez en laisser Eh deux, bien trois, là, mais. c'est écrit, pour atteindre la victoire militaire, vous devez conquérir la capitale de toutes les autres civilisations. De Et toutes. puis, il nous donne un petit conseil très utile. Il est conseillé de posséder une puissante armée. Ouais, voilà. Donc Ah. en gros, vous pétez la tronche à tout le monde et dès qu'il n'y a plus personne, bah vous. Voilà. Dès qu'il n'y a plus personne, c'est bon. Donc attendez, je vais continuer, je vais envoyer mes éclaireurs. Donc à chaque fois, vous devez envoyer une construction, hein, donc on le fait tranquillement. La victoire religieuse, donc là qui est pas affichée, mais c'est très simple, hein, Fauchard, je te laisse l'expliquer, la victoire religieuse. Alors, la victoire religieuse, il faut convertir toutes les autres civilisations à votre Religion. religion. Merci, j'arrivais plus à trouver le mot Parce que c'est la mienne qui est la plus forte. là. Et quand vous aurez fait ça, bah, vous aurez gagné parce que bah, tout le monde aura votre Notre religion. Ogami. Merci, voilà. Voilà, ça t'arrive pas, hein, J'ai t'aimes un peu. pas.
Par Et contre. alors, non, on va juste un peu parler de la religion. Avec la religion, vous pouvez avoir des bonus, hein, comme dans l'ancien, comme dans le Civilization 5. Et vous pouvez avoir des bâtiments spéciaux, Trouvez au fond d'un trou. comme par Arrêtez-vous. exemple, vous pouvez choisir de construire un Wat, ça s'appelle comme ça. C'est un peu des temples indiens, si vous voyez. Et ça va vous faire plus de science et plus Foi. de... Bah de la foi, Ah oui, quoi. plus de foi, oui, Mais voilà. ça a en fait mélangé science et foi, ce qui est dans les religions pas spécialement le plus présent. Logique. Et ensuite, donc la dernière qui est la victoire de fin de partie, si jamais personne n'a réussi à faire aucune victoire, c'est la victoire au score. Comment elle est calculée? Alors elle est calculée partout. Science, Le nombre de villes que vous culture, avez exploitées. ville, enfin vraiment tout. Afficher détail, ouais, voilà. Afficher détail, vous pouvez voir que par rapport au dogme, à l'empire, aux personnages illustres, à la religion, à la technologie et aux merveilles. Donc comme c'est comme ça qu'est calculé le truc. Le score. Et en principe, ça se finit en 2050 dans les paramètres de base, hein. Après, Voilà, vous de pouvez base. Après, régler. vous pouvez mettre, par exemple, que ça finisse en 5000 tours. Voilà, donc. Et puis choisir la vitesse aussi de... Oui. Actuellement, on est en ligne, donc En ça veut dire ligne. qu'elle va Là, on est deux en fois ligne, plus donc là-bas, rapide. voilà. Et mais vous pouvez choisir normal, même si vous êtes en ligne. Et bah tiens, ça me permet de directement ricocher avec un point fort qui est l'un des plus gros points forts, je trouve, De de cette nouvelle celui-ci. épice. C'est le dogme, donc les dogmes et le gouvernement. Mais qu'est-ce que c'est que les dogmes et le gouvernement? Donc les dogmes, ça va être comme des idées, des idéologies, enfin des idées plutôt. Donc Oui, ce l'artisanat. serait plutôt des gens des idées politiques Militaire, après et vous aurez les idées. sociales. Vous aurez par exemple plus tard les idées des Lumières. Voilà, les Lumières, donc ça Voilà, sera ouais. les idées des Lumières. Et qu'est-ce que Ou ça bien fait les plus tard, il dogmes? y a la lutte des classes, si je me souviens Voilà, il y a le bien. communisme, après vous débloquerez le Voilà. communisme, après vous débloquerez le Bah, c'est justement avec la lutte fascisme. des classes que vous allez débloquer le communisme. Si vous recherchez le totalitarisme, Bravo! merci. Bravo! Ouais! Vous débloquerez le Le fascisme, le fracisme. fascisme. Et puis si vous faites la recherche sur le suffrage, vous débloquerez la La dictature, démocratie. la démocratie. La démocratie. Pardon. on va commencer à chanter l'Amérique. Hein, et donc, les dogmes, c'est comme en fait les recherches technologiques. Hein, vous allez, plus vous générez de culture, plus vous rechercherez rapidement, comme la science. Plus vous gagnerez de science, plus vous gagnerez de technologie. Qu'est-ce que vous pouvez débloquer dedans? Vous pouvez débloquer alors comment la des doctrines, des unités, Des des bâtiments, bâtiments, des merveilles, des des systèmes quartiers, politiques. des systèmes politiques et des comment on peut dire ça des trucs diplomatiques en fait des talents diplomatiques comme les alliances, Ouais, des options les diplomatiques, on options va appeler ça comme diplomatiques, ça. voilà. Donc imaginons ici vous allez gagner donc l'artisanat va me donner des doctrines. Donc je vais prendre l'artisanat. Allons dans mon gouvernement. Donc mon gouvernement, vous arrivez et là je suis à la chefferie. Donc c'est le premier truc de base. Voilà, vous êtes à la chefferie. Vous avez alors une carte, un emplacement de doctrine militaire, un emplacement de doctrine économique. Vous n'avez pas de doctrine diplomatique ni de doctrine joker. Joker, Pour le moment. c'est-à-dire que vous pouvez mettre militaire, économique, diplomatique et joker. Il y a aussi une autre carte en violet. Voilà. Donc vous avez vos doctrines qui sont ici, donc vous pouvez les répertorier en militaire, économique, diplomatique ou aucun. D'accord? Oui, aucun Ouais, filtre, d'accord? ça c'est pour les Imaginons. doctrines Joker. Oui, voilà. Joker. Joker. Donc ici, je vais mettre Joker. la discipline qui me donne une puissance de combat de mes unités contre les barbares plus 5. Et je vais mettre le culte Culte impérial, impérial. voilà, Ouais, moi je qui me mets ça donne à de chaque fois. l'or et de la foi. Voilà, donc ça c'est ce qui est pour les doctrines. Et ça c'est très très bien parce que comment vous allez gérer votre gouvernement ainsi que vos doctrines et tout, ça va vous donner des bonus énormes. Et Et très puis très intéressants. selon le gouvernement que vous allez choisir, après plus tard, bah, par exemple, les premières choses, ça va être soit une république classique, une autocratie ou une oligarchie. Si vous prenez l'autocratie, qui est Ah. plutôt un gouvernement militariste, vous allez avoir plus de doctrines L'enfer. militaires. Si vous prenez une république classique, vous allez avoir aucune doctrine militaire, mais deux doctrines économiques, Économique. une doctrine comment ça s'appelle? Diplomatique. Diplomatique. Ouais. Et une joker. Ouais, et un joker.
Et puis, si on regarde à la fin, le fascisme, c'est axé Militairement. militaire. Donc, vous allez avoir quatre emplacements pour le militaire, un pour l'économie, un pour la diplomatie, et puis deux jokers. Alors que si on regarde le communisme, c'est plutôt. Comment? Le C'est assez. communisme équilibré. Voilà, c'est assez équilibré, merci. Et puis, la démocratie, c'est très peu Économique. militariste, Voilà. mais plutôt économique, etc. Et diplomate. Joker. La démocratie peut être pas mal pour Une des victoire. personnages illustres, voilà, enfin, pour culturels ou scientifiques, je pense. Ouais, moi aussi, je Malgré pense. celle que je préfère, c'est le communisme, parce que je la trouve très très équilibrée en tout. Et Ouais, ça vous en tout, permet ouais. que si vous voulez faire une victoire scientifique ou culturelle, de pouvoir bien vous défendre. Donc ça, c'est vraiment pratique. Après, si vous regardez, il y a aussi les gouvernements, ils vont vous donner des bonus différents. Par exemple, bah, la démocratie, ça va donner plus 30% de rendement pour les projets de quartier. Donc Ah ça, je oui, sais pas ouais. trop ce que ça veut dire, mais. Pour les projets de quartier, c'est comment dire? Quand vous verrez ça plus tard, quand vous fabriquez un quartier, c'est dès que vous fabriquez autre chose dans le quartier, par exemple un atelier, un truc Ah comme ouais, ça. d'accord, Donc je ok. pense que c'est ça, je ne suis pas sûr, mais si, en principe c'est ça. En Ou bien, gros, c'est... bah, par Ah non, exemple, avec les. de rendement, donc non, c'est qu'en fait, les projets dans les quartiers Ah oui, produiront d'accord. plus. Ouais, au lieu de faire J'ai plus de mal... production, ça va faire trois, par Voilà. exemple, ou un truc comme ça. Par exemple, le communisme, c'est pour tous les rendements. Donc vraiment, ça, c'est OP. Hein. C'est Bon, complètement OP. Là, c'est tous les après, il y a le rendements. fascisme, c'est bonus pour la formation d'unités, donc vous allez D'unité. former vos unités beaucoup plus rapidement. Voilà, donc un cinquième plus vite. Donc ce qu'on va faire pour vous parler d'un autre ajout majeur, on va se retrouver quelques tours plus tard pour déjà les débloquer. Pour les quartiers, oui. Pour les quartiers, on va les débloquer ainsi que les J'ai merveilles. spoil. T'as spoil, c'est pas bien. Et après, on vous parlera donc des quartiers. On enchaînera avec les points faibles qu'on a trouvés parce qu'il y en a quand même quelques-uns. Et on se laissera là-dessus. Allez, tu leur fais un petit bisou? Fais leur un petit bisou, Fauché. Bisous. Un petit bisou, allez, à tout de suite. Et Rebonjour. donc nous sommes au 40e 30, 40e tour, tour. 40e tour, voilà, pour vous montrer maintenant qu'on a débloqué un peu tout ce qui est quartier, merveille et ainsi de suite, on va pouvoir vous montrer les cartes. C'est quoi la vote d'un prix? Je sais pas, j'ai pris une vieille voix de. je sais pas. Bon, écoutez, nous n'acceptons pas les personnes âgées ici. Passez, s'il vous plaît. J'ai pris une petite voix de grand-père d'une maison de retraite. Mes Hein. grands-pères! Alors, on va pas soulever ce que c'est ça. Hein. Tac, tac, tac. Donc, les quartiers, les quartiers, les quartiers. Qu'est-ce que c'est que les quartiers? Faucheur, explique-moi, je suis con. Je sais pas. Non. Alors, les quartiers, c'est des bâtiments que vous allez devoir construire sur les cases qui sont autour de votre ville pour pouvoir, par exemple, bah, améliorer votre science, améliorer votre culture, à débloquer des emplacements pour des chefs-d'œuvre. Après, bah oui, après, c'est tout. Pour l'argent, enfin Oui, c'est soit il y a pour pour l'argent et l'or. puis pour la production aussi. Alors Et pour puis il y a alors. aussi un campement, c'est un truc militaire, c'est pour améliorer la vie, les ah, comment ça s'appelle pas les constructions des unités militaires. Voilà, donc en fait ça l'accampement aussi ça permet aussi de tirer sur les unités qui assiègent la ville. Ça permet aussi d'utiliser une ressource en moins quand vous voulez créer une unité. Donc si on les dit tous, nous avons les lieux saints qui rapportent de la foi, nous avons les campus qui rapportent de la science, les campements qui sont pour les unités militaires, les plateformes commerciales qui sont pour l'argent. T'es obligé de te taper sur ton micro, sur ce que tu veux. Ah non, j'ai rien tapé en Ah plus. bah c'est bizarre. Nous avons les places de théâtre qui sont là pour la culture. Nous avons aussi les spatioports, mais ça c'est plus tard pour faire les fusées. Nous avons les aéroports pour les avions, les J'ai cru qu'en résidences. plus t'étais en train de dire une connerie quand Non, t'as dit non, les non, non, spatioports, les que j'étais là. résidences. Oh Les ouais. résidences, les plateformes de loisirs. En gros, vous avez énormément de quartiers. Et chaque quartier peut avoir plus ou moins d'importance selon son emplacement.
Regardez Et par puis, exemple. oui, plus ou moins de bonus en fait. Par C'est exemple, moi ça. j'ai construit une bibliothèque, enfin une bibliothèque, Un un campus. campus sur un marais. Donc, du coup, en plus de la production de base qui est de plus 2 ou plus 3, hein, Camille, je ne sais Plus plus, 2, à principe. plus 2, ah ben, ça va me faire plus 3 là. Donc, Et ça ben va me moi je te faire bats 3 plus plus 2, ça 4. fait 6. Moi plus Ah non, ça fait 4. 5, Ouais, 3, 4, 5.5, Ça ça fait fait 5. Oh 6. putain. Moi ça fait plus 4. Pourquoi? Parce que j'ai 3 chaînes de. Enfin j'ai 4 chaînes de montagne et j'ai une petite jungle. Forêt tropicale. Donc je vais la construire ici. Donc ça va apprendre toute une case. Donc toute une case qui sera dédiée à ça, au Et donc du coup ça quartier. détruit, par exemple s'il y a de la forêt tropicale, ça détruit la forêt tropicale. S'il y a une ressource dessus, genre du coton, ça détruit Ça le la détruit coton. aussi. Voilà, ça détruit tout. Ça casse tout. Voilà. On peut même dire ça détruit-tu. Lol. Allez. On évitera de garder cette blague qui a été. Oh, Oh c'est non, on va tellement la garder, on drôle. va la garder, hein, Ah. mais je tiens à m'excuser auprès de tout le monde qui nous écoute, Non, ainsi que mais War moi je Legends, dis, il y ainsi a que tout le ma monde. famille. Moi je dis, il y a tout le monde qui a dit ouais. Ou ça se trouve, ils ont eu un petit rictus, mais j'espère que c'est rien Faucheur que au ça. grand Rex. Faucheur au grand Rex. Ouais, bon, quand même pas. Autre ajout, donc les merveilles, avant, pour ceux qui ont connu Civilization 5, vous pouviez Vous plutôt. pouviez. Mettre mais toutes les merveilles possibles et imaginables dans vos villes sans réellement que ça vous coûte de place. Et maintenant, il va falloir mes petits enfants, il va La falloir mastico. aménager des cases spéciales pour les merveilles. Et en Pourquoi plus, tu t'en vas de ton micro? On t'entend parce que plus de loin. là, en fait, j'ai failli me casser la gueule de ma chaise. Ça, c'est ce que Ah. vous ne savez pas, c'est que j'ai failli me casser la gueule de ma chaise. Donc, j'ai pas perdu la face. Donc, pour ce qui est des merveilles, vous allez avoir des prérequis. Par exemple, pour les jardins suspendus de Babylone que je veux fabriquer à Kyoto, ils doivent être adjacents à une rivière. Si je voulais fabriquer les pyramides, ils doivent être dans un Dans un désert. désert, Dans un qui est logique, désert, hein. obligatoirement. Avant, vous aviez pas besoin. Avant, vous pouvez construire ça. Bah, Ouais, c'était genre, moi je me souviens, dans une partie dans Civilization, j'avais les pyramides, la tour Eiffel, genre j'avais trois trucs qui étaient genre à 600 km l'un de l'autre, normalement, je vais être côte à côte. voilà. 1 km qui les sépare, c'est fait. Et l'oracle, par Allez! exemple, donc il y en a beaucoup. Hein. Il y a une. Je vais peut-être dire un mot un peu plus vulgaire, mais il y a une chier de merveilles. Mais vraiment, il y en a beaucoup, beaucoup. Qui vont vous rapporter plus ou moins de bonus, plus ou moins de culture, foi, technologie, argent, touristes et tout. Mais à chaque fois, ils ont des prérequis. Donc ça, je trouve ça excellent. Même beaucoup mieux qu'avant. Donc ici, par exemple, à Kyoto, nous allons fabriquer les jardins suspendus de Babylone, nous allons construire ici. Après, j'ai super soif, parce que là, je crois que j'ai enquillé les mots, mais j'ai vraiment super soif. Donc ça c'est à peu près tout hein. Comme on l'a dit c'est assez clair. C'est pas très très chiant. J'ai l'impression que Faucheur est décédé. Non, je Ah suis c'est là. bon il est Non, non, j'ai tellement écouté le professeur, ok. D'accord, t'écoutes le professeur. Je suis tout sage à l'arrêt. Donc c'est à peu près tout Ouh pour là les là, j'ai été quartiers. très méchant. Donc les quartiers ils vont aussi alors pour ceux qui connaissent le terme scale, donc c'est-à-dire ils vont augmenter avec le nombre de plus vous aurez de population, plus ils vont produire. Ah d'accord. Et Voilà, puis c'est aussi, scale. enfin, mais par contre, vous n'allez pas pouvoir construire genre Tous les quartiers. tout à la suite. C'est genre au bout d'un moment, ils vont vous dire non, il faut que vous ayez genre 12 de population. Et puis vous Et allez je être là crois que nous déçu. sommes limités à 4 ou 4 quartiers, hein. 4, 3 ou 4 quartiers. Je crois pas qu'on puisse tous les Non, construire. moi je. Si, moi une fois je crois que j'ai tout fait. Ah bon? Je crois, hein, Tu es faut sûr? vérifier. Faudra qu'on vérifie au Camille, mais. Tu es sûr? Mais en Non, j'ai dit gros, faudra qu'on vérifie. hein, vous pouvez en construire. De toute façon, vous aurez le temps d'en construire 4. Parce qu'à chaque fois, il faudra que votre population monte. Beaucoup, beaucoup. Donc bon, ça c'est les quartiers, vous en construirez quelques-uns. Ceux que je trouve les plus intéressants sont quand même pour l'argent, la science, et après bah la Et culture, puis tout après, ça. bon après ça c'est la culture, moi je trouve ça aussi intéressant parce que moi j'aime bien faire des victoires difficiles un peu comme ça. Je suis pas un peu casual. C'est bon, Et arrête de me regarder comme ça. non mais et en fait les places de théâtre en fait selon ce que vous allez choisir,
Au bout d'un moment, vous allez pouvoir avoir des archéologues. Et puis, en fait, je sais qu'il y a un musée Ouais, ah, d'histoire naturelle, je d'archéologie, crois. voilà, d'histoire Voilà, ou naturelle. d'archéologie, oui, voilà. Et en fait, bah, si vous pourrez aller voir dans les enfin, comment on appelle ça au Camille? J'ai Dans perdu le nom. les... Ah bah, dans des endroits de recherche, on va appeler ça comme ça parce que je Ah, n'ai des plus le sites de mot. fouilles. Voilà, des sites de Ouais. fouilles pour récupérer des artefacts, etc., que vous allez pouvoir entreposer en fait bah, dans les endroits où vous aurez fait bah, des théâtres, etc. Parce que en fait, les théâtres, bah, par exemple, si vous choisissez une option, parce qu'après, au bout d'un moment, vous allez devoir choisir entre des options, il y a une option qui sera plutôt pour avoir des trucs de musique, il y en a, ce sera plutôt pour du tableau, etc. En fait. Ouais, Ce ça sera c'est... comme ça, Culture, Camille. c'est très très fourni. Vous avez littéralement le moyen de faire ce que vous voulez, enfin, de vraiment gérer un peu comme vous le souhaitez. Je pense qu'on en a à peu près... dernier point, donc dernier point, et après on passe au point faible, pour éviter que la vidéo non plus dure trop longtemps pour vous. Vous allez devoir aussi gérer vos habitations et vos activités. Alors, en fait, les activités, ça remplace le bonheur. Dans les anciennes civilisations, je sais pas si vous vous rappelez, pour ceux qui ont joué ou pour ceux qui n'ont pas joué, en gros, si votre ville était malheureuse, vous alliez avoir des révolutions, des rébellions plutôt. Ouais, de révolution, Révolution. rébellion, en Oui, soi. voilà. On Et n'est en pas gros, content. maintenant, vous allez devoir avoir des activités. Donc plus ou moins d'activités par rapport à vos nombres de personnes, à vos habitations, vos nombres de personnes. Les activités, vous pouvez les avoir soit en créant, soit... J'arriverai à le dire, soit en créant des comment ça s'appelle des quartiers liés à ça, donc comme les bah, le quartiers de loisirs. Après, vous pourrez mettre des cirques, enfin des trucs des stades, vous avez plein de choses, hein. Soit en exploitant des ressources de luxe, comme le café, le sucre, par exemple ici j'ai le sucre, je crois, le sucre, ouais, sucre, ressources de luxe, plein de ressources comme ça. Vous aurez aussi les dogmes, la religion, et vous aurez l'usure de guerre, la banqueroute qui pourront vous enlever des activités. Les habitations, comme je l'ai dit, c'est en créant donc des quartiers, en fabriquant les infrastructures sur vos territoires, donc en créant des fermes et ainsi de suite, vous allez avoir plus ou moins d'habitations pour faire prospérer votre ville et pour la faire Agrandir, pour la faire agrandir, grandir. voilà. Merci pour l'agrandir. C'est à peu près tout. Donc, c'est vrai que le jeu est très très fourni. Hein, on vous laissera Il le est très fourni. découvrir. Je Pour suis ce très qui est chaud de faire une des. vidéo condensée parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. C'est chaud, ouais, c'est chaud. On veut éviter que ça dure 1 heure parce que c'est chiant au bout d'un moment. Et c'est dur à tenir 1 heure devant une vidéo. Point négatif. Donc, les points négatifs que tu as trouvés, enfin, on les a trouvés ensemble. Hein, on les a vus ensemble. Donc, on peut le dire que des fois, il y a des générations de maps qui sont Horrible. vraiment salauds avec le joueur. Ici encore ça va, hein, on peut voir que ça va, malgré que Gandhi à gauche va bientôt vouloir me déclarer la guerre parce que j'ai une frontière à côté de lui, mais ça c'est rien. Mais par exemple... Ça fait partie du jeu, mais par contre, quand vous respawnez et puis que vous avez quatre cases de terre normale et puis qu'après tout autour de vous il y a de la toundra, bon, Voilà. disons que c'est assez dur de Prospérer. prospérer, merci. Donc c'est vrai que on a eu, on, moi je l'ai eu une fois, tu l'as eu une fois. On l'a tous eu une fois, je crois. Ouais, moi je l'ai eu une fois. J'avais du désert au nord, de la toundra au sud, et je pouvais prospérer sur 4, allez, on va dire 5 hexagones. Et sinon au-dessus, en dessous, je pouvais rien construire à part certaines merveilles. Mais bon, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc c'est vrai que c'est un petit peu salaud à des moments. Je pense qu'ils l'ont corrigé, je pense qu'ils vont le corriger ou qu'ils l'ont peut-être déjà corrigé, hein, parce que c'est vrai que mais c'est pas tout le temps, hein, je pense que c'est des petits bugs en soi. On a vu aussi pas assez de générations de maps différentes. Il y a un mode donc qu'on peut utiliser, que des modeurs ont créé, pour avoir la carte du monde, comme il y avait dans le 5. Et ici la carte juste de l'Europe. Voilà, carte Et juste de vous pouvez choisir l'Europe. les différentes tailles. Genre Giant. Giant, c'est la plus grosse. J'ai vu Ouais. aussi qu'ils ont rajouté du coup une option quand j'ai fait la partie. C'est Alors vous choisissez bah, Pangée, continent, la carte que vous voulez. Et puis vous pouvez la mettre encore plus que Giant. Mais apparemment, c'est genre le truc, ça met super longtemps à charger. Il mettait. Voilà, Enfin, donc c'était écrit. à mon avis, oui, il faut. En plus, il faut pas voir le dernier des PC.
J'ai envie de dire un truc complètement mauvais, il faut pas avoir un PC de merde plutôt, voilà, tout Il ne faut simplement. pas avoir le dernier des PC. Ouais, voilà, c'est justement, il faut avoir le dernier des Ah PC. oui. Pas de victoire diplomatique aussi, on a vu ça, donc la victoire diplomatique Oui. en soi est remplacée par, je dirais, la Cela. victoire religieuse. Parce que Ouais. comme les mecs Ah vont ouais. t'engueuler à mort parce que tu. Parce que tu. Comment dire, tu Ouais, parce convertis. qu'on propage. Parce qu'on propage. Qu'est-ce que je dis? Parce qu'on propage sa religion, ouais, mais bon. Voilà, donc bon, ça c'est pas non plus ce qu'il y a de pire, mais bon, j'aurais bien aimé avoir un autre un peu. Un autre système un peu plus diplomatique. Et le dernier point faible, bon, celui-là est un peu plus chiant. J'espère qu'ils corrigeront. C'est C'est l'IA l'IA. bipolaire. L'IA qui est bipolaire. Des fois, c'est casse-couille. Oh, tu vous faites une partie comme ça. Et donc, un tour, elle va vous dénoncer parce que vous êtes un belliciste. Hein, on sait même pas, des fois. Des fois, je le sais même pas. J'ai rien fait, je déclare pas la guerre. Ils me dénoncent. Et l'autre, et juste après, l'autre tour d'après, ils font: ah, mais qu'est-ce que je vous aime? Déclaration d'amitié. Ah, Ouais. d'accord. Ok. Il y a un J'ai pas petit. compris. Donc c'est vrai qu'elle est, sur certains termes, elle est vraiment bipolaire. Hein. C'est pas Elle est vraiment. vraiment conne en fait, si on veut Oui, voilà. T'es là devant ton écran, tu fais: quoi? Mais tu viens. T'étais à deux doigts de me déclarer la guerre et là tu m'aimes? Ou alors. Ou alors ils te dénoncent parce que parce que t'as une armée pas assez forte et après ils disent que ta mère est bien protégée. Quoi? Votre peuple est faible, ou je ne sais quoi, et après ils vous disent oui, mais votre armée est bien. Enfin, ils savent pas, Ouais. ils savent vraiment pas ce Bah, qu'ils par veulent, les exemple, fois. moi j'ai eu le cas, c'était un Brésilien, je lui avais pris la ville, une ville, je veux dire, et puis il me dit, ah, je vous dénonce, vous êtes belliciste, et puis le tour d'après, j'avais tellement de culture qu'il me dit, oh, je suis content d'être votre voisin, vous avez tellement de culture, j'étais là. Ah, je suis vraiment content que vous m'ayez pété la Non, gueule. je ne comprends pas là, excuse-moi, Mais mais qu'est-ce que vous racontez? je ne sais pas ce que tu veux. Donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'on a à dire. Je veux pas non plus que ça tarde trop. C'est à peu près tout ce qu'on a vu, hein. Vous pouvez trouver le jeu sur notre partenaire GoClé CD, Go hein, clé CD. pour le comparer à des prix plus avantageux, parce que c'est toujours mieux d'acheter un jeu moins cher. Ainsi que vous pouvez aller aussi voir sur la Web TV de World Legend, parce que je sais que certains font du Civilization. Si vous voulez en voir, il n'y a pas que ça, hein, bien sûr. Il y a diverses choses, donc n'hésitez pas à aller aussi sur le site pour des news, des découvertes, ainsi de suite. À vous abonner, à partager et à nous aimer. Oh, c'est Ouais, beau! surtout le Oh, c'est dernier parce beau! que moi je suis pas très aimé. Surtout le dernier parce que je me sens mal. Si tu as un cœur, ne descends pas sans mettre un j'aime. Voilà, on va faire comme Facebook. Si vous mettez pas un j'aime, le diable est derrière toi. Tellement marrer parce que c'est tellement réaliste. C'est tellement vrai. Bon, bah, on vous fait des gros bisous. On espère que ça vous a aiguillé sur un possible Gros achat. bisous. Oui. En tout Et cas, plein de moi, nous, bisous. on vous le conseille. Ah, oh oui, Malgré là, qu'il on n'y a vous pas le encore, il conseille. n'y a pas encore eu de DLC. Enfin, si, en fait, il y a un DLC, c'est pour avoir les Aztèques, je crois. Ouais, il y a les Aztèques. Bon, je m'en fous des Aztèques, bah allez. Bon. En espérant qu'il y aura autant de DLC que sur Civilization 5. Et puis Pas que trop ça ajoute cher. autant de contenu, en fait. Ça va. Sans compte les CD, on les trouve moins chers. Ouais, voilà, j'espère, parce que sinon on va avoir des petits problèmes de fond. Sinon je vais faire banqueroute, moi. Bon, allez, plein de bisous avec nos conneries, plein de bisous partout, Bisous! et à la prochaine. Au revoir!